Notre prochain invité a toujours mené sa carrière avec comme leitmotiv anticiper et regarder vers demain. Il incarne une entreprise qui a été créée en 1902, qui est cotée en bourse et qui a toujours su se réinventer avec brio. Il croit dur comme fer au potentiel de l'hydrogène. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Pierre-Étienne Franc, directeur des métiers et technologies avancées du groupe Air Liquide. Bonjour. Bien, bonjour à tous. J'avoue que quand on m'a proposé de venir parler à Before Winter d'hydrogène, j'ai d'abord eu un moment d'incertitude et d'interrogation. Bon, il se trouve que comme je viens de sortir un livre sur le sujet, que vous étiez immédiatement la première conférence qui arrivait avec beaucoup de monde en plus, que ça me changeait de Bruxelles où je vais assez souvent, je me suis dit finalement c'est pas une mauvaise idée. Et puis en fouillant un peu, j'ai trouvé deux autres raisons fondamentales que je vais vous expliquer par la suite. Bon, la première, c'est que je suis ravi d'être là. La deuxième, c'est qu'effectivement la fonte des glaces, c'est quand même le sujet régulièrement évoqué pour parler des enjeux de réchauffement climatique et de transition énergétique. Bon. Et c'est vrai qu'effectivement, la fonte des glaces, certes, n'a pas commencé avec le réchauffement climatique, parce qu'elle a commencé il y a déjà 150 ans, mais qu'elle est importante. À chaque seconde qui passe, il y a l'équivalent de 2 piscines olympiques de fonte dans le monde. Plus de 600 glaciers ont disparu les 30 dernières années. On pense que si on n'arrive pas à limiter le réchauffement à 3 degrés, tous les glaciers, notamment en Europe, qui sont sous 3500 mètres d'altitude, vont disparaître. Et ça, c'est pour Aurélien, la fonte des glaces, c'est aussi ce qui alimente les deux tiers de la hausse du niveau de la mer. Donc par la fonte des glaces, on est très connecté à la mer. Et ça, ça évoque des sujets de spiritualité, je pense, dont on pourra parler après. Donc la transition énergétique, si on veut aussi dans des pays comme les vôtres où 50% de l'économie est tirée par les métiers de la montagne, si on veut continuer à développer toutes ces activités, il va quand même falloir faire quelque chose pour essayer de lutter contre. La transition énergétique donc est nécessaire. Alors vous connaissez probablement les chiffres, il y a un certain nombre de chiffres clés. L'Europe par exemple veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40%, pour ça on veut monter à 30% de part dans l'énergie faite par des énergies renouvelables. Quelques autres chiffres intéressants. On dépense chaque année dans le monde 1000 milliards d'euros pour revamper, accroître, améliorer les énergies fossiles. Et on dépense 250 à 300 milliards d'euros dans les énergies renouvelables. Il est évident que si on veut que les choses changent, il va falloir équilibrer ces grands chiffres et passer à 500, voire plus. Les enjeux de la COP21 qui va commencer la semaine prochaine sont évidemment de trouver un accord entre toutes les parties sur ce sujet, mais il n'est pas sûr que ça suffise, il faudra probablement d'autres choses. Alors, que vient faire l'hydrogène dans tout ça? Bon, bah d'abord, avant de vous expliquer ce qu'il peut faire, je vous propose d'en parler d'abord en images, en regardant le petit film qui va suivre, et ensuite on va poursuivre. Présent en abondance dans l'univers, l'hydrogène apparaît comme une source d'énergie capable de relever les défis de la transition énergétique. Pour aller plus loin, créer de nouvelles opportunités et ouvrir de nouveaux marchés, nous nous appuyons sur notre expertise en sciences et technologies, notre capacité à détecter et comprendre de nouveaux usages, et sur l'inventivité, l'engagement et l'esprit d'entreprendre de tous nos collaborateurs. Mais revenons à l'hydrogène. Présent dans le soleil, les étoiles et les planètes, mais peu dans l'atmosphère. L'hydrogène doit alors être extrait à partir d'autres éléments pour être produit en grande quantité. Depuis 50 ans, Air Liquide maîtrise la technologie du reformage du gaz naturel avec de la vapeur d'eau pour produire de l'hydrogène partout dans le monde. Aujourd'hui, les deux tiers d'hydrogène produits par le groupe sont utilisés pour la désulfuration des hydrocarbures afin de proposer des carburants sans soufre. Dans le domaine du stockage de l'hydrogène,
le groupe s'appuie sur une expertise issue notamment des savoir-faire et technologies innovantes développées par Air Liquide pour tous les lanceurs du programme européen Ariane. Et s'il faut une grande maîtrise pour stocker de l'hydrogène, il en faut tout autant pour le distribuer et l'acheminer jusqu'à l'utilisateur final. Avec sa démarche Blue Hydrogène, Air Liquide s'engage à produire au moins 50% de l'hydrogène nécessaire aux applications énergétiques sans rejet de CO2 d'ici à 2020. Par exemple, à partir du reformage de biogaz ou de l'électrolyse de l'eau. L'hydrogène est une molécule au potentiel infini. Une véritable source de croissance pour notre groupe et la société tout entière. Aujourd'hui, l'hydrogène fait avancer la logistique et les transports. Il nous fait aussi gagner en autonomie. Demain, il fera battre nos cœurs. Et plus encore. Bon, c'est un film institutionnel, tout est très rose, mais les images que vous voyez sont des images réelles. L'hydrogène est présent déjà dans le quotidien de vos vies sans que vous le sachiez. Un petit exemple, cette molécule qui est la plus énergétique au monde, hein, 3 fois plus énergétique que le gaz naturel, qui est par contre très légère, très volatile, donc il faut maîtriser correctement. Aujourd'hui, elle sert à désulfurer les carburants, elle permet d'avoir des essences très propres. Les molécules d'hydrogène qui sont injectées dans les raffineries pour permettre d'avoir ces carburants propres, si on les injectait directement dans les voitures, comme on l'a vu là, pour alimenter des piles à combustible et faire des voitures hydrogène électriques, on aurait assez d'hydrogène pour déjà alimenter 200 millions de véhicules. Donc vous êtes déjà, sans le savoir, basculé dans une forme de société de l'hydrogène. Alors, aujourd'hui, vous voyez peu de voitures électriques hydrogène. Il y a quelques grands constructeurs qui ont lancé des séries, hein, Toyota, Daimler, Honda, Audi a aussi des démonstrateurs qui fonctionnent. Tous les grands constructeurs ont dans leur programme de R&D à terme le basculement vers l'hydrogène. Pourquoi ? Parce qu'une voiture électrique hydrogène a une autonomie qui est meilleure que celle d'une voiture à batterie et une autonomie qui est proche d'une voiture classique et elle se recharge facilement puisqu'on recharge en mettant du gaz dans le réservoir. Donc c'est le même type de temps de recharge que pour une voiture essence. Alors, évidemment, il faut mettre en place l'infrastructure. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Et puis l'hydrogène doit être propre, comme on l'a vu. Et pour être propre, il faut qu'il soit produit à partir de sources d'énergie renouvelables. C'est pour ça que j'appelle souvent l'hydrogène le chaînon manquant de la transition énergétique. Et c'est pour ça qu'avec le temps, vous allez en entendre parler de plus en plus souvent. Vous allez d'ailleurs en entendre parler très vite à Chambéry, puisque quelques-uns des petits fleurons start-up de la région travaille sur ces sujets. Alors là, je vais essayer de vous montrer un slide, si j'y arrive. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas exactement quand, mais il y a des projets en ce moment avec la ville de Chambéry et avec une entreprise du Bourget de Lac qui s'appelle Ataway pour mettre en place des réseaux de vélos à hydrogène. Vélos à hydrogène étant un peu comme des vélos électriques avec un peu plus d'autonomie et des facilités de recharge qui sont bien meilleures. Donc en fait, l'hydrogène progressivement va aller dans vos vies, hein, dans la voiture, on va pouvoir l'utiliser éventuellement pour faire de la chaleur et de l'électricité dans les maisons. 150 000 foyers japonais sont équipés avec des piles à combustible qui vous fournissent avec une très bonne efficacité de l'énergie. On va aussi peut-être demain l'avoir pour recharger vos téléphones. Alors, je n'ai plus le prénom de mon prédécesseur, alors il était très en avance, mais pas encore tout à fait sur tous les sujets, parce que demain, vous aurez des batteries à hydrogène qui vous permettront d'avoir peut-être des autonomies de plusieurs jours sans avoir à recharger vos téléphones dans des prises électriques. Donc on est sur un déploiement qui va progressivement se généraliser. Pourquoi ? Parce que plus la part d'énergie renouvelable monte dans l'énergie primaire, plus il y a un enjeu de stockage. Et parce que vous avez l'énergie solaire, quand il y a du soleil, vous n'avez pas forcément besoin à ce moment-là de cette énergie. Pareil pour l'énergie éolienne, et donc vous cherchez des moyens de stocker. Et les barrages hydroélectriques, dont la région est friande, sont en général saturés, et donc il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de les utiliser. Donc le bon moyen
d'utiliser cette énergie renouvelable intermittente, c'est de la stocker sous forme d'hydrogène et ensuite de déverser cet hydrogène dans des usages, dans les transports, dans le résidentiel, dans des usages pour le quotidien de vos mobilités. Donc on est bien sur un élément qui va progressivement devenir le chaînon manquant de cette transition énergétique, et donc progressivement vous allez entendre de plus en plus parler. Ça m'amène à la troisième raison pour laquelle je pense qu'en fait Before Winter était un excellent endroit pour parler de ce thème et de la transition énergétique en général, avec l'hydrogène dans son cœur. Personnellement, j'aime beaucoup la montagne, alors je ne viens pas autour de Chambéry, je vais dans d'autres montagnes des Alpes, mais ça ne change pas grand-chose au goût pour cet endroit et pour ces lieux. Je pense que c'est le dernier endroit, et je pense que Aurélien dira la même chose, avec la mer et avec le large, où on prend vraiment la dimension de la nature, de sa puissance, de la solitude, du silence et du danger. Souvent, quand je vais faire de la randonnée avec un guide, je suis aussi... C'est là que je prends des leçons de courage, d'obstination, de patience. Et je suis très mauvais élève, donc je ne suis pas du tout... Mais les guides sont des gens qui me fascinent. Et quand on regarde les sujets de la transition énergétique, on est un peu sur la même problématique. Hier, on était à la première d'un film qui restituait la première étape du tour du monde de l'avion Solar Impulse. Donc vous avez dû entendre parler, parce que c'est pareil, c'est pas très loin d'ici. Et là, pareil, on célébrait quelque chose qui était d'une part le courage de ces pilotes, qui est juste extraordinaire. Deuxièmement, la force collaborative de tous les talents qui ont été réunis pendant des 10 ans pour essayer de construire cet avion, envers et contre tous. Troisièmement, la force des technologies quand on les utilise pour le bien commun, pour la planète et pour des enjeux sociétaux positifs. Quatrièmement, et je pense que je reviens de nouveau sur Aurélien, une dimension spirituelle supérieure, c'est-à-dire une capacité à regarder l'autre que soi. Et en fait, la transition énergétique ne se fera que si l'on a ces 4 valeurs chevillées au corps. Le courage de lutter contre un certain nombre d'obscurantisme, de conservatisme ou de court-termisme. Les technologies, parce que sans les technologies, on ne peut pas basculer dans le nouveau monde énergétique que l'on souhaite. La collaboration, parce qu'on a besoin d'avoir les industriels, les consommateurs, la puissance publique, les constructeurs automobiles qui, en même temps, mettent en œuvre les déploiements d'infrastructures et de réseaux. Et puis la spiritualité, parce que ça ne marche que si on essaye d'être guidé par une volonté d'aller un peu plus loin que juste regarder son intérêt personnel. Donc à ce titre, la montagne est un très très bel exemple de ce qu'on essaye de faire, et donc je vous remercie de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de parler de ça dans un cadre qui respire l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Étienne.